Garata, Garata. Ah, G-G-G-G, baby, baby, G-G-G-G, baby, baby. T'as ça, ouais. Sinon, t'as Yalalala. Yalalala, Yalalala. Il est... Yaya, plutôt. Il est ok, ah ouais, le perroquet. Non, ça, c'est... Ils sont épatés. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième Grand Prix qui vont s'affronter les cartoons, les Dalton, les psychodéliques dans un combat acharné sur Sonic All Transformed. À la Bloodsport. À la Bloodsport. Pourquoi les on est plusieurs dans nos têtes. Mais ouais, oui. Peut-être. Peut-être. On va se lancer sur... J'espère que vous allez bien, hein, que votre vie se passe bien, que cette année 2013 roule sur les chapeaux de roue, sur les chapeaux de roue. Et que vous et êtes... en parlant de roue... En parlant de roue, on en a quatre. Et on va foncer. Chacun. On commence par une course Super Monkey Ball qui s'appelle Temple du Chaos. Et moi, je vais choisir... ah bah, c'est Beat. Yeah, pourquoi vous rigolez? Vous savez quel âge pour rigoler sur ça. Désolé. C'est instinctif. C'est, voilà. En fait, on... En plus, il a deux grosses lunettes. Non, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, on avait prévu que tu rigoles, puisque d'habitude, c'est toi qui rigoles sur ce genre de blague. Non, ouais. Mais tu vois, depuis peu, j'ai 30 ans. Alors maintenant, je suis plus un gros gamin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas au mois de janvier, ton anniversaire, par pur hasard. Ah là là. Alors... oh, j'ai plus de pièces. Alors, pour information à ceux qui me suivent, Super Monkey Ball fait partie d'un de mes circuits favoris. Il est technique, il est rapide, il est jouissif, ça me rappelle tout simplement Super Monkey Ball, un jeu que j'avais découvert sur GameCube que j'avais surkiffé. C'est pour ceux qui ne connaissent pas, essayez de vous trouver une GameCube. Il est juste jouissif, quoi, addictif. Et tu sais que là, on peut passer un double combo dès le début. Ouais, bien sûr. Et t'en passes 3 au deuxième tour. Ouais, t'en passes 3 au deuxième tour. Ouais. Merde, je... Oh, j'ai raté le turbo encore. Et bon, moi je l'ai. La Garde, t'en passes 4, t'en passes même 4. Voilà, on peut en passer 1 et là on peut en passer 1 aussi. Non, t'en passes 4. J'en ai passé 4. T'en as passé 4, la vache. Avec le démarrage turbo. Alors, il est très technique, pourquoi? Voilà, il n'y a pas de rebord sur certains passages. Et ici, aux autres tours, vous allez voir, il y a des statues. Voilà, il y a des statues qui sortent et au troisième tour, il y a trop de statues qui sortent. Ici, je sais pas où c'est le mieux, si c'est au milieu le mieux. Bien. Je sais pas si c'est le mieux au milieu ou sur les côtés, tu c'est préfères milieu. Quoi C'est le milieu le plus rapide. Le milieu c'est le plus rapide. Ouais. Pourtant le côté t'as l'air sympa aussi. J'adore ce passage là. Une marche, turbo, on dérape sur la flèche turbo. Il y a une autre marche, on peut replacer un turbo. On continue à déraper pour charger son facteur 3. On relâche le turbo et là tu refais un double. Et double looping sur l'eau en le turbo, ça envoie du steak. Ça envoie du steak. C'est... Oh, je t'ai raté de peu. Hein, tu me l'as dégonflé. Salaud, j'avais un gant. Ah, t'avais un gant. Salaud. Brigitte Bardot va pas être contente, t'as tué un poisson ballon. Ouais, je suis passé au-dessus du poisson ballon. Sérieux? Ouais, t'as les boules, t'as les crottes de nez qui pendent. Glandes. Oui, parce que t'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Normalement, c'est ça, mec. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? T'as les crottes de nez qui glandent. Par où je passe, moi, putain? Dalton, sort de ce corps. Vous voyez, là, j'ai détruit une... un truc automatique, je l'ai détruit en tirant en arrière. Une... comment on appelle ça? Oh là là, j'ai revu... Une carapace rouge. Ouais, une carapace rouge, oui, mais c'est comment en... Un drone, merci madame. Alors, c'est aussi, bonne chose, si on enchaîne le gauche-droite en turbo, on garde sur le turbo. On garde l'accumulatif du turbo. Ouah, 6 boules de neige. Avec ça, je suis pareil. Hein. J'aurais déjà mis rond. Oh la haine! Qu'est-ce que tu t'es mangé le poisson ballon de tout à l'heure? Non, en fait, le truc que tu m'as lancé. Ouais. En fait, il. J'avais un gant et le gant s'est fini juste avant que. Que ça arrive. Ouais. Alors, t'arrives pas à me rattraper? Non, je suis juste derrière, je te talonne les fesses, mais pas encore ça. Mais non! Oh, j'ai raté! Il est dur à placer, hein. C'est vraiment au poil de fion après l'arrivée à le placer. T'es malade! Tu connais le passage d'Aki pour passer ici? Oh le et moi je me fais avoir. Bah ça va, je suis passé relativement cool. Oui parce que t'avais maintenant ici un passage. En fait t'as une technique pour passer sans freiner. T'as l'avance de chou que t'as. Alors que je me suis pris. Ouais super, j'ai eu 6. Oh Danica Patrick. Ah ouais non, je crois que c'était toi Xavier. Mais non.
putain, je tirais n'importe comment. Putain, l'avance que t'as. Là, si j'ai pas le bon objet, je pourrais rien faire. Non. Tu t'es fait toucher par le... Oh, double ballon, double poisson ballon. Ah, dommage, Daki, à travers la téléportation, ça marche pas, les abeilles. Ça passe. Oh, je vais pas pouvoir finir le circuit. First. Alors, combien, mon petit Pio? Deuxième. Ah, j'ai pas réussi à te mettre... Tu t'es pris le poisson ballon, là, à la fin? Non, mais j'ai pas eu de bons objets. Il est sympa, Bit, à jouer, hein, avec son quad. C'est une bonne beat, quoi. Un bon beat. Alors, ah, il est où? Je le cherche, attends. Tu sais, c'est comme au bac. Tu sais, tu cherches ton nom dans la liste. Ah, t'es là. Dalton, il fait non, recalir. Alors, rigole moins, hein. On fait moins le malin. Ouais, un expert, c'est mort. Hein. C'est chaud, un expert. T'as combien d'étoiles, toi, Zavunu? Oh, je prends pas rien, je sais même pas, je... Trentaine. Ça dépasse, ouais, voilà, tout cassé. Bah non, t'as Danica Patrick, je crois qu'elle se débloque à 80 étoiles, je crois. Ah, quand même. C'est quoi le deuxième circuit? Je m'en rappelle plus. Je ne sais plus. Et pareil, les gens qui suivaient cette vidéo, dites-moi si vous avez connu les jeux qu'on est en train de traverser, si vous avez aimé ces jeux, ou si vous préférez d'autres jeux de ce genre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous régaler. Donc le deuxième, c'est... Ah, Paradis Galactique. Ah, la course de Thaïs. Elle appartient à Thaïs, cette course? Ouais. Alors, donc en personnage, Bit, c'est réglé. Ah, on passe à Amy. J'adore, je vous jure, j'adore. Pas parce que c'est rose, c'est un peu efféminé. C'est la petite coccinelle avec les petits rimels sur les côtés, sur les phares. C'est super, super mimi. Bah, c'est féminin, quoi. On va la passer en... C'est quoi ce sticker que t'as mis, genre... La cla... Qui? C'est genre... Bah, forcément, je le fais devant ma télé, mais personne ne voit. Si, je le vois, là. J'ai mis le permis. Ouais. Okay. Je sais plus comment je l'obtiens, ce sticker. Oui, en fait, chaque permis, on peut afficher 3 stickers qui nous représentent au niveau de notre ambiance. Ouais. Knuckles, qui aime les cibles. Et toi, c'est un burger. Moi, c'est un burger médaillé qui est rock, tu vois. Et Xavier, c'est un burger étoilé. Ah non, c'est un. Non, moi, c'est le truc de base. Et j'ai gagné les vignettes dans ce sens-là, donc voilà. D'accord. T'as débloqué que 3 vignettes, c'est ça que t'es en train de me dire? Non, il y a plus, mais c'est juste que. Oh là là, et tu sais que je commence à avoir la tête qui tourne à force de parler. Bah, respire. Ah, respire. C'est que t'as oublié de respirer, c'est tout. Oh le gars, quoi. J'ai mal au crâne parce que... Oh là là, ça... Oh, j'ai la tête qui tourne. Sonic Adventures. Ah, par contre, je sais pas de quel univers c'est pris. Bah, peut-être un Sonic, tu sais... Parce que c'est la course de Thaïs, mais je ne vois pas de... Merde, j'ai complètement oublié. Bah, tout simplement, si vous savez de quel univers, de quel jeu c'est pris, dites-le nous. On dirait les derniers niveaux. Oh, mais bah, poisson ballon, je suis 10e. Dalton. Oui. Très joli circuit qui... Ah, non. Tiens, mange-toi ça, hein, aussi. Ah, oh, vas-y, ouais, voilà. Très joli circuit, tout simplement, qui fait penser à la Rainbow Road. Bon, maintenant, vous savez pourquoi Dalton. Hein. Pourquoi je suis noir? Allez, vas-y. Alors voilà, la Rainbow Road sans contour, ouais, c'est... Ah, je m'en... Oh là là, je me suis raté, j'ai mis le dérapage dans le mauvais sens. Ici, faut vraiment être couillu pour passer ces dérapages, quoi, pour avoir envie de passer ces dérapages. Mais non, moi je passe des dérapages 3, niveau 3 ici. Ouais, oui, mais toi t'es Joe Moussage. Oh là 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 là. Ouais, voilà, t'as passé... Allez, ton dégage. Dérapage 3, ouais. Qui avait, ah non, t'es pas Joe Musashi, t'es qui là? Non, je suis Thaïs. Ah, t'es Tails, ok, je croyais que t'es Joe Musashi. Ouais. Ah, Joe Musashi, il joue à Rodrage, putain. Mais c'est pas possible, attends, c'est la course sans rebord et je suis quatrième. Non, il y a un truc qui... Attends, c'est que le premier tour. Ah, le vise. Okay. Oh, le vise, il m'a... Oh là là, il m'a... Oh vise. Non. Putain, j'ai oublié de faire... Oh, la vache, elle a failli m'envoyer dans le décor, la tornade.
C'était presque bien. Alors, vous avez vu ce qui s'est passé? Voilà, j'étais quatrième derrière Cartoon, je suis derrière dixième derrière tout le monde. Si vous avez bien vu, si vous êtes bien attentionné à ce que j'ai fait, j'ai eu un double turbo. J'ai décidé de maintenir A pour envoyer les deux turbos l'un après l'autre d'un seul coup en fait. Et avec ça, j'ai passé un turbo dérapage, ce qui m'a ouvert le turbo x3 en fait. Mais t'es sérieux? T'as ton All-Star en même temps que moi, dégage. Qu'est-ce qu'il fait? Mais oh là, ah, elle envoie des marteaux, d'accord. Mais non, et moi je me fais percuter là. Oh là 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 là, je me fais culbuter plutôt. Attends, c'est par où là? C'est le passage en avion. La première fois qu'on fait ce circuit, on est un peu dérouté. Et moi j'arrive pas, dans ce circuit, je n'arrive pas à faire de... Ah, moi j'essaye même pas. De turbo risqué. Ah, j'essaye même pas. T'es un grand malade d'essayer. Merde, j'ai raté mon poisson ballon alors. Oh, j'ai failli tomber là. On peut faire X pour regarder derrière. Pourquoi j'ai été stoppé? T'as du coup Daki, heureusement que t'as des All-Star quoi. C'est un peu comme le x2 à Assassin's Creed hein. Oui, j'ai eu le All-Star au bon moment en fait. J'ai un peu de chance. Mais moi je vise comme une taupe quoi. Là faut connaître bien les flèches où elles sont parce qu'on les voit pas arriver. J'aime beaucoup le clipping du circuit qui se construit juste devant nous en fait. C'est hyper chouette. Je vais me prendre le laser. Ah, faut savoir que le laser ne vise que le premier. Donc t'es premier normalement. Ah ouais, mais j'y suis plus. Elle est terrible l'avion de Amy. De Amy. Tu peux dire Amy hein. Amy magie. Non. Putain de poisson ballon. Oh, j'ai failli me transformer à l'extérieur. Allez, possibilité de premier. Non. Non, juste devant la ligne. Non. Non. Connard. Pardon pour les jeunes qui nous écoutent. C'est un Peggy 16 cette vidéo. Et tu t'es pris quoi? Ton moniteur, ton radar, ton drone. Ton drone. Hein? Ouais. C'est bon, ça. Oui, juste jusqu'à l'arrivée, on est pas sûr de l'issue. Eh hey, bien, parce que sur un circuit comme ça, c'est chaud. Ouais. Pourtant, c'est pas ton préféré celui-là. Oh, non. Pas de rebord. Là, l'horreur. Je suis tombé 3 fois. Ah là là. Oh, je vais prendre un malin plaisir à me réécouter cette vidéo parce que je sens que on délire. Je suis content. J'espère que vous passez. En plus, je voulais le faire. J'espère que vous passez un agréable moment en notre compagnie. C'est vraiment un régal de pouvoir vous présenter cette petite partie entre amis et ce petit délire entre amis avec vous. C'est franchement, c'est de la joie, de la bonne humeur et voilà, ça donne envie de se déchirer le slip avec les dents. Bon, mon slip. Mais pour ceux qui arrivent, c'est balèze quand même. Hein. Oui, faut pas avoir de caleçon molletonné bien résistant. La prochaine course, c'est Temple des Saisons, un de mes circuits favoris qui est tiré de l'univers Shinobi. Mais t'as combien de circuits favoris? Celui-là, c'est un de mes favoris. Pourquoi j'en ai dit que j'en avais plusieurs? Oui, bon, j'en ai dit un ou deux. Un ou deux. Là, on passe à Biddy Joe qui est tiré, comme vous l'avez deviné, de Crazy Taxi. Ah, je suis pas sûr qu'ils aient connu, hein. Crazy Taxi qui est sorti sur Dreamcast. Eh oui. Oui, après il est ressorti sur sur Xbox une. Je crois, ouais. Si tout le monde connaît Crazy Taxi. Ah oui, je peux lancer la course. C'est un super jeu d'arcade très très addictif. Alors maintenant, bon, je pense qu'il est un peu vieilli, mais qui est très très addictif. Eh, 3 cerises, les drones ralentissent moins. Ouais, super. Moi j'ai 3 cerises, 3 raisins. Commence l'épreuve suivante avec un turbo. Moi j'ai 2 cerises mais je les garde bien au chaud. Ouais. Peggy 16 quoi. Surtout qu'en ce moment c'est sûr qu'elles sont pas très utilisées. Ah non, en ce moment non. Vivi a encore sa restructuration à faire donc. Il faudrait pas que tu la démolisses. C'est un peu comme les Mikado ça. Oh, c'est dégueulasse, mais merde, y'a des jeunes qui nous écoutent. Superbe musique sur ce circuit. Et celle-là, en plus, c'est, on a vraiment l'impression qu'elle trace ce circuit, ouais. Parce que c'est tout serré en fait.
Oulala, 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 c'est par où? C'est par là. Une chose à savoir, avec les boules de neige, on tape une fois, ça déroute, on tape deux fois, ça redéroute, on tape trois fois, le gars il est glacé, il est très dérouté en fait, il est très 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 ralenti. Bah tu peux envoyer les trois en même temps. Et tu peux envoyer les trois en même temps, mais je préfère envoyer les unes après les autres. Parce que quand t'envoies les trois, c'est en ligne horizontale. Ah, y'a quelqu'un à droite? Oui, y'a un passage à droite, mais j'ai jamais pris. J'ai jamais pris, je sais pas s'il est bien ou pas à prendre. Oh, comment je t'ai esquivé ça, mon petit Yanou. Mais genre, c'est passé sur la calandre. J'adore ce passage. C'est assez dur à passer. Il y en a une où tu peux pas le passer. Ouais, là, exactement là. C'était pour montrer. C'est ça, c'était pris. Ouais, c'était pour montrer aux autres qu'on peut pas passer. Donc là, vous voyez, on pouvait pas passer. J'adore ce circuit. C'est... Ah, Joe Musashi. Je suis premier avec Joe Musashi. Attends, j'arrive. Je te talonne. Il y a Oulala devant toi aussi. Oulala. Oulala. C'est Moussa. Nanana. C'est un truc comme ça, non? Ouh la la la. Ah oui, ouh la la la. C'est un truc aussi, je connais. I love you, baby. Ouh la la la. C'est quoi ça? Je sais plus, mais je connais. Merde! Ouh la la la. Nine in baby. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Meurs, les abeilles. Les abeilles, ça ralentit énormément. C'est merde et les abeilles, c'est pas miel et les abeilles. C'est les merdes et les abeilles. Oh, qui a connu le miel et les abeilles? Moi, j'adore y tartiner ces tartines de beurre jusqu'à qu'il n'y a plus de trous sur la tartine. Oui, parce qu'elle aime pas quand il y a des trous sur la tartine. Oh, c'était magnifique cette série, j'adorais ça. Ouais, toi t'adorais ça. Ouais. Wouhou! Il est un peu dur le dernier saut. Toi, tu vas à gauche ici? Ouais, moi, j'arrive pas. Mais j'arrive pas à le gérer le raccourci. T'es obligé de déraper, si tu dérapes pas, t'es obligé de te prendre quelque chose. Oh, nique sa mère. Il y a Psychodélique qui arrive avec un. Ouais, avec là, le turbo. Si. Oh là là, Kapala Tata. Oh là là, poisson, lune, bateau, tornade. Là, si vous avez pas. Pour que je vous explique deux secondes, le méga turbo avec le méga moteur, en fait, ça monte et à chaque fois qu'on change de couleur, ça envoie le boost du niveau au-dessus. Par contre, si vous planter. Voilà, si vous arrivez à terme, le moteur explose et ça vous ralentit comme si vous étiez mangé une attaque. Donc il faut que vous explosiez vous-même le moteur en appuyant sur A, et là ça vous fait un PPBAOE autour de vous. C'est un truc comme ça, le truc d'AOC. PPBAOE. Voilà, une attaque de zone en fait. Ça vous fait une attaque de zone qui attaque les autres autour. Et ça c'est très 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 bonne idée, très très bonne idée. Moi, t'es premier, tu peux pas te la garder ton attaque. Phantom Blast. Ah non, une. Ah ça va, je m'en prends une. Ah, je m'en prends une aussi. Alors le fonctionnement des abeilles, même si on est dernier, les abeilles foncent jusqu'à la première place pour emmerder le premier et accessoirement les autres qui suivent derrière. Par contre, si c'est vous qui avez posé les abeilles et que vous arrivez dans la zone des abeilles, les abeilles se relèvent pour vous aider. Qui c'est que j'ai eu en arrière? J'ai l'impression d'être commentateur de foot. Je me suis rarement autant dépensé dans une vidéo. Ouais, bah c'est parce qu'en même temps tu joues, c'est pour ça. Joe Musashi et son jet ski quand même, hein. Ça c'est fort. Et tu crois que ça, quand Ishii, ça mousse? Ça mousse et Sashi? Ouais, bah Musashi. Ouais. C'est bien mec. Tire à loin. On peut dire que Vise tire bien. Ah oui, hein. On peut dire, lui, il doit pisser dans les chiottes turques, quoi. C'est un pro. Faut variser, quoi. Si on essaie de faire des jeux de mots avec ça, avec chaque perso. Bah, beat, c'est facile. Aïe, aïe, c'est facile. BD Danica, Joe. Danica Patrick, vas-y. C'est plus dur, Danica Patrick. Ouais, voilà, ouais. Bah, ouais. Bon, ça viendra d'ici. Ouais. Elle est hors catégorie. Ouais. Elle est belle, déjà. Ouh, et bah tu vois, ça fait du bien le chargement. La pression redescend, la pression artérielle descend, la testostérone redescend, l'adrénaline aussi se calme. Voilà quoi. Parce que si c'était non-stop, moi je fais une crise d'arythmie juste avant. Une crise d'arythmie. C'est pas ça qu'on dit. Je sais même pas ce qu'on dit. Une crise d'arithmétique. Non, ça je crois que c'est les maths ça. Ah, ouais. Un de mes circuits favoris de tout le jeu. Sky of Arcadia, la base des pirates, est juste monstrueux. Si on a fait des vidéos, c'est pour vous présenter ce circuit qui est juste fabuleux. Ah bah tiens, je prends Vise en plus. Super, et moi je prends Mémé.
Yeah. Pose ton dentier et fais la course. Oh la vache, c'est une course ultra rapide et j'ai deux en vitesse. Mais bon, c'est les règles qui veulent ça. Au pire, en fait, je me nerf pour éviter d'être trop fort. Ouais, en attendant, je suis deux fois premier. Alors, regarde, t'as 3 points de retard. Et t'es un bon toi sur Skyoff. Ouais. Il est très très dur à prendre en considération ce circuit. Non, non, à prendre en considération. Le mec il utilise. Et je suis sûr que t'es capable. En plus, je suis sûr qu'il y a des jeunes, ils sont capables de dire ah ouais, putain, il parle bien. Alors qu'en fait, tu dis que de la merde. C'est pour ça que j'avais parlé lors d'un Best of Track, c'est le sophisme. En fait, je suis un maître en sophisme. Je suis un maître en sophisme. Sophisme. Oui, le sophisme en fait c'est de dire quelque chose qui paraît d'apparence logique mais qui est complètement idiot, mais si on regarde la conclusion quelque part pourrait être logique. La conclusion en soi-même est logique mais ça reste débile en soi en fait. Ah, bravo, t'arrives à faire le turbo en parlant, c'est balèze. Je peux faire exprès. Et t'as deux en vitesse mais tu vas plus vite que moi, c'est quoi, c'est quoi? Non, je suis dixième, je suis derrière toi, je sais pas qui tu regardes depuis tout à l'heure. Tiens, ça c'est moi. Pourquoi je t'ai raté? Comment ça je t'ai raté? Oh, c'est le bordel le début de la course. Le début de la course quand t'es derrière, oui. Tiens Dalton, cadeau. Ah zut, j'ai loupé. Bon, non, moi je l'ai eu. Ici, il y a un passage à gauche. Ouais, ah oui, oh, je l'ai jamais vu. Jamais vu dans les... Ouais, mais il est hyper chaud à prendre, moi, ça ralentit. Comment je t'ai raté plus que ça. Alors ici, il est super facile à faire le... Voilà, voilà. Ouais, t'as raté. T'as raté, non facile, hein. Alors qu'il était super... Alors j'adore ça, on passe dans le rocher, quoi, dans l'anus du rocher. Putain, j'étais 5ème. On remonte tout le cordon ombilical. Intestinal. Oh, la musique elle est juste fucking awesome ici. C'est... Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Skyoff Arcadia c'est un des meilleurs RPG de la Dreamcast. Sorti sur GameCube, mais quel con. Sorti sur GameCube, il est juste monstrueux. Je sais pas, je pense qu'il aurait mal vieilli. Dites-moi ceux qui ont connu ce jeu, si vous trouvez pas qu'il a mal vieilli parce que le chargement des combats c'est quand même assez longuet, c'était vraiment très longuet. Il mériterait un remake parce que l'aventure elle est juste hors catégorie. Hors catégorie. Ouais. Le fait d'avoir des bateaux volants déjà, moi j'avais trouvé ça exceptionnel. Et toutes les recherches, les découvertes à trouver, l'univers c'est. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait penser à One Piece tout de suite. Ah, ou t'as l'univers. Ouais, si, parce que One Piece fait vraiment dans l'originalité, c'est pour ça que on trouve, mais bon. C'est l'univers après, pirate après aussi. C'est l'univers pirate aussi, le fait, voilà. Ah, par contre, j'aurais peut-être pas dû me transformer ici. J'ai peut-être déconné. Alors attends, ici, il faut que j'aie le turbo risqué. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu ce coup-ci. Là, je suis concentré. Là, je parle plus parce que je suis 8ème au deuxième tour, ça va pas le faire. All-star, please, all-star, please. Non, drone, ouais. Ah ouais. Oh, ouais, la vague. En fait, j'arrive pas. Non, ah oui, c'est vrai qu'il y a un passage en bateau et je le prends jamais, alors qu'il est beaucoup plus simple le passage en bateau. Ah, il est vachement plus rapide. Hein. Bah oui, et moi je le prends pas, comme un million de fous. Ah merde, j'ai essayé de passer de. Ah, moi ça a pété d'Aki. Yeah. Mais non, je vais trop vite. Ah, par contre là, tu pourras pas me rattraper. Oh, mais je suis 9ème. Tu pourras pas me rattraper sur le. Je suis 9ème. Le passage en bateau. Et je suis devant le bateau bleu. Et tu sais, toi, tu passes derrière, tu sais, à un moment dans le 3ème tour, tu sais, quand t'es premier. Oui. Tu passes devant le bateau de Vise. Oui. Et derrière, je veux dire. Mais en fait, moi, je passe devant. Oh, le dernier tellement je suis rapide. Vas-y, pète-la, toi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais non, je rate les objets. Oh, putain, et Danica qui me prend le super objet. C'est moi ou je suis tout seul sur la course? Moi aussi, je suis tout seul, mais pas dans le bon sens. Ouais, mais moi, je vois personne sur le radar. Je t'ai dit que t'étais un bon, ce circuit. J'ai même pas vu le rocher se casser. Normalement, ici, on arrive, il y a le rocher qui se pèse en deux pendant qu'on passe dedans et tout. Mais non, j'ai aucun objet, j'ai rien. Bolide, mais non, donnez-moi le All-Star! Je suis arrivé! Oh merde! Oh là là, il est arrivé quoi! Oh là là, c'est honteux de la prestation que je vous ai offert. Remboursé! Oh là là, je fais de l'air. Oh, j'adore Vise, c'est sur ce circuit. Son avion à Vise, il est monstrueux. Eh ben! Bon, bah j'ai joué mon Dalton X moi. Non, moi je suis 8ème, je suis pas 9ème. T'es combien, Pio? 9ème. Oh. Je vous ai maîtrisé tout le long de la course là. En même temps, j'ai une mémé en guise de pilote quoi. Elle est comment? Elle a de l'arthrite. Je l'ai jamais prise. Elle a de l'arthrite. Ah ouais, quand même. Elle j'ai mis 20 secondes de moins que vous. Bah oui, quand même. Elle a de l'arthrite. On va pas dire qu'elle a de l'arthrite, elle a de l'arthrite.
mais c'était le dernier circuit en fait, non? Oui. Déjà, oui, oh là là, qu'est-ce que le temps passe vite, c'est vraiment dommage. Bon bah sur ce les amis, je suis combien en fait? T'es deuxième hein. Ça va, je suis sur le podium, c'est déjà ça. Ouais, sur 3 ça va. Ah, faut être heureux quoi qu'il nous arrive. Eh, t'es troisième. T'as quand même une médaille. Regarde les points et rêve. Attends, ça se trouve je suis juste devant toi, non? Ah non, t'avais déjà 3 points de plus. Tu as... Verdict. Bah, perfect. T'as fait un perfect, 4 fois premier. La vache. Bravo. Franchement, je m'incline, même si c'est dangereux, mais je m'incline. Tant que je suis pas derrière, c'est bon. Bon sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour le prochain Grand Prix en compagnie de Dalton, de Cartoon et bah voilà, tout simplement De toi. Un gros poutou les loulous. Salut. Salut tout le monde.